Bonjour, je m'appelle Julia, je suis contrebassiste co-soliste à l'Orchestre National de Lille et je vais vous présenter mon instrument, la contrebasse. Donc comme vous pouvez voir, c'est l'instrument à cordes le plus gros de l'orchestre et le plus grave. Ça fait en gros entre 1,60 m et 2 m. C'est grand, c'est gros, mais c'est pas si lourd que ça. Ça pèse 6,5 kg, donc ça va, c'est pas très lourd. Donc c'est un instrument à cordes, il y a 4 cordes. Parfois 5. On est le seul instrument à cordes de l'orchestre qui a de temps en temps 5 cordes. La cinquième corde étant la corde qui est ajoutée, étant une corde plus grave. Je dois dire que c'est une spécificité de la contrebasse. On peut jouer vraiment dans beaucoup de tessitures différentes, de hauteurs de sons différentes. Elle existe telle qu'elle, dans cette forme-là, depuis le XVIIe siècle. Son ancêtre, c'est la viole de gambe, le violonnet. Et elle a gardé les épaules un peu tombantes. Elle est constituée donc d'une pièce de résonance, et en gros quand je joue soit avec mon archet soit en pizzicato, je mets en vibration la corde mise en vibration transmet cette vibration à la caisse, à la table, par l'intermédiaire du chevalet en fait. Donc la vibration se transmet jusqu'à la table, et à l'intérieur de la caisse il y a un petit morceau hyper important qui s'appelle l'âme, et qui permet de diffuser cette vibration à l'intérieur de la caisse et d'émettre le son. On a vraiment à l'orchestre un rôle d'accompagnement, on est le soutien de toute la masse orchestrale, on est la base, le pilier, comme la guitare basse dans un groupe de rock en fait. Je suis venue à cet instrument parce que mon papa dirigeait une salle de concert quand j'étais petite. Et donc j'ai écouté beaucoup de concerts. C'était des petits effectifs à chaque fois, donc j'entendais vraiment bien chaque instrument. Et puis toute petite, j'ai vraiment flashé sur cet instrument. Et physiquement, je trouvais ça beau. Et le son me faisait complètement triper. J'adorais ces fréquences graves-là, cette chaleur. Moi, j'aime cet instrument dans tous les répertoires, en fait. Que ce soit dans la musique baroque, où on va faire juste pendant des lignes et des lignes, on va faire des... Ça paraît bête, mais moi j'aime faire ça, j'aime être le moteur de ce qui se passe au-dessus, je trouve ça génial. Je peux pas dire qu'il y a plein de compositeurs que j'adore. J'adore jouer du Mozart, j'adore jouer du Gustav Mahler, j'adore jouer du Strauss et j'adore jouer du Bartok. Et vraiment, à chaque fois c'est un usage différent de l'instrument, et même si ça reste de la musique classique et que pour la plupart des gens c'est un peu toujours pareil, en fait c'est pas du tout pareil selon les époques. Des compositions qu'on joue, quoi. Y a plein de modes de jeu différents. On pourra jouer du très lié. On va pouvoir jouer, comme je vous ai montré tout à l'heure, du détaché. Dans les modes de jeu, on a bien sûr les pizzicato. Alors le pizz, c'est quand on pince juste la corde avec les doigts. Voilà. On m'a demandé de vous raconter une petite anecdote rigolote de ma vie de musicienne à l'orchestre ou un beau moment passé à l'orchestre. J'ai cherché, j'ai réfléchi et j'ai pas trouvé un moment. En fait, il y a plein de beaux moments tout le temps. Ça peut être en concert, évidemment, des concerts fantastiques où juste on ressort, on est complètement galvanisé parce qu'on a l'impression d'avoir participé à un événement collectif, d'avoir mis toutes nos énergies et nos âmes ensemble. Mais aussi parfois, ça peut être en répétition, dans l'intimité d'une répétition, où d'un coup, il va y avoir un truc super beau. Il n'y a pas de public, il n'y a personne, c'est juste pour nous, on répète. Et d'un coup, le son est beau. Donc pour illustrer la contrebasse, je vais vous jouer un petit extrait d'un solo d'une œuvre qui s'appelle Le lieutenant Cuiger, et c'est de Sergueï Prokofiev.